Voilà tout le monde, c'est Kevin Shotcut. Voilà, c'est ma première vidéo. Donc, pour cette première vidéo, je vais faire un tuto sur comment bien débuter à Minecraft. Il y aura plusieurs épisodes. Celui-ci, c'est le premier. Hein. Vous en doutez bien. Donc, en passant, je vais présenter aussi un peu ma chaîne. Je ferai du gaming, la cuisine, la musique, pas mal de choses. Peut-être du dessin, on verra bien. Donc ben là on va démarrer la vidéo sur Minecraft. Allez, à plus. Enfin, donc ça risque de prendre un peu de temps pour charger car quand on enregistre l'écran comme ça, ça rame ça rame beaucoup. Mais je veux pas filmer avec un appareil extérieur, sinon la qualité serait pas bonne du tout. Donc là voilà, hein. Voilà. Donc là ce n'est pas le compte premium parce que j'ai perdu my compte premium. Donc vous voyez comme c'est long là. Alors là, je vais présenter aussi un peu les touches, hein. Alors c'est W pour avancer, à part si vous avez crack, vous avez pris un crack, ce sera Z si vous avez pris un crack. Premium, hein, premium. Gratuit, hein. Et ce sera Z. Alors, S c'est pour reculer. Donc, attendez un petit peu. Alors, avancer, W, S, reculer. Voilà. Donc là, je suis sur un pas un super terrain, hein, faut le dire. Par contre, il y a beaucoup d'arbres. Là au moins ça va pas, on va pas perdre de temps sur la collecte du bois. Donc ouais, la première chose à faire c'est de collecter du bois parce que ce sera le truc qui va vous servir le plus au début, même après pour créer des portes et tout et tout. Là déjà vous en aurez besoin pour refaire des planches, ces planches qui vont nous permettre de faire notre atelier, ces ateliers qui vont nous permettre de faire plein de choses, donc tout le reste des trucs. Donc, je vous présente aussi un peu le jeu en passant. Peut-être que certains n'ont jamais joué. Peut-être que certains ont joué, mais sont dégoûtés rapidement par rapport. Ils ne savaient pas jouer. Moi, au début, je croyais qu'il fallait rester la nuit pour tuer les monstres. Donc, il faut d'abord des épées et tout. Donc, trêve de bavardage. L'été encore, je le redis. Quand on enregistre l'écran, ça fait ça. Je viens de jouer il y a un instant sans enregistrer l'écran, il y a une grande différence. Donc, vous voyez le petit cœur en rouge là, ben ça c'est la barre de vie. La barre de vie, donc il faudrait qu'elle reste minimum à 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, bref. Faut pas trop baisser. Sachant que de l'autre côté où il y a les cuisses de poulet là, c'est la barre de faim. Cette barre de faim, quand elle est en dessous d'un certain nombre de faim, ben, votre vie va commencer à diminuer. Ok, donc il est préférable d'avoir des barres de vie assez hautes. Puis aussi la nourriture la meilleure nourriture c'est la viande. La viande c'est la meilleure nourriture qui va vous permettre de tenir plus longtemps. Voilà. Alors, je pense qu'on a pas mal de bois là, faut pas que je perde trop de temps non plus. Voilà, ok. Donc maintenant on va partir à l'inventaire. Ah super, un terrain plat. Donc là on va faire des planches. Il suffit de cliquer sur, enfin de partir sur la touche E. Voilà, tout simplement. Alors, en fait, vous disposez comme ça. Alors, Shift, donc pour tout avoir à un coup, c'est Shift, Shift et clic gauche. Shift, donc majuscule. Voilà, donc on a pas mal de planches, on a quand même 20 planches. Hein. Bon, ça fait bizarre de recommencer d'ailleurs. En fait, vous disposez comme ça, vos planches. Clic droit pour bien séparer. Et voilà, vous avez votre atelier.
Cet atelier va vous bien. Donc, pour poser votre atelier, il suffit de faire clic droit. Ok? Hop. Maintenant, voilà, vous êtes sur votre atelier. Maintenant, nous allons faire ça. Nous allons faire une pioche qui va nous permettre de prendre, de creuser. What the fuck? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'ai tellement l'habitude d'avoir préparé tout en avant. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous préparez des bâtonnets comme ça. Des bâtons. Vous allez les disposer comme ça pour faire une pioche. Et les planches, vous prenez, vous faites ça avec. Puis, avec au fur et à mesure, on pourra créer des pioches en pierre, en fer, en or, en diamant, etc. etc. Hop, notre atelier. Hop, là, viens là. Petite coquine va. Donc, je disais donc, là, faudra qu'on fasse, on se fait un abri de fortune. Voilà, c'est moi, ce sera vraiment un abri de fortune. Hein. Je ne cache pas. J'ai volé, cassez pas. Donc, faut savoir qu'après, plus tard, on va faire aussi notre maison. Au début, mais il vaut mieux quand même de bien présenter notre abri. Voilà, un petit abri comme ça. Ah ouais, il faut de la des torches. Bon, voilà, hop, déjà, hop, hop là. Il faut encore jouer. Ok, super. Alors, on va commencer à collecter de la pierre. Alors, la pierre, au début, vous allez dire, on va garder tout à chaque fois, mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est vraiment encombrant. On en a beaucoup quand on va miner et tout. Miner de la ferraille. Alors, hop. Là, au début, il faut prendre pas mal quand même. Hop. Pas mal. Hein. Vous voyez, à force de creuser aussi, à un moment, on va trouver du charbon, etc., etc. Donc, au début, là, on n'a pas de charbon. À part, on est tombé sur un monde où on était à côté du charbon. Alors, on va prendre rapidement des petits cochons. Désolé, hein. On va tuer quelques petits cochons comme ça. Alors, my bad, petit cochon. Purée, ça rame, c'est dur pour chercher là. Ah, purée. Attends. Hop. Sincèrement, hein, les gens, c'est compliqué d'être dans de telles conditions. Bon, quand vous allez jouer sans ça, vous comprenez qu'il faudra tuer beaucoup de cochons. Enfin, beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, il faudra. Voilà. Donc, on aura des côtelettes. Est-ce qu'on prend des steaks? Non, on va les garder les vaches parce que, au fur et à mesure, vu qu'il y a plus de cochons, au fur et à mesure, on va créer. Ah, du charbon. Donc, j'ai trouvé du charbon. Au fur et à mesure, on va. Après. C'est un peu lent, hein. Je vous cache pas, vous allez dire que je suis PNU à Minecraft et tout, mais bon, peut-être, hein. Mais en attendant, c'est vraiment dur de chasser la corde. On ne. Attendez, hop, 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 allez là, il bouge plus, hop, hop. Purée, faut moins de deux steaks. Oh, purée, la nuit va tomber. Où j'ai fait moins un peu de fortune déjà. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, je suis un idiot. Donc ben là, j'ai perdu mon aller pas de fortune. My abri I fortune. Je crois que c'était levé là-bas, un truc comme ça. Purée, ça commence bien. Hein. Ah voilà, c'est tout pour un tuto. Donc nous allons boucher l'entrée. Alors on va faire comme ça, ouais, la terre, on va commencer à boucher l'entrée. Alors attendez, hop, ça faut enlever parce que pour boucher l'entrée ça sera un peu compliqué sincèrement. Non, ça, hop là, hop, hop là, hop là. Hop là, bien boucher tout. On va boucher ça. Oh my gosh. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Oh my gosh.
Donc, on va ramasser de la terre, de la bouse. Rapidement. De la terre, de la terre, de la terre, de la terre, de la terre. C'est bizarre de ramasser de la terre. C'est chez lui. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on aura pas mal de pierres et de terre. Alors, ne vous inquiétez pas. Hop! Hop! Alors, ici, les monstres ne pourront pas passer. Oh là là, bon. Prendre la pierre. Ça. Hop! Attention. Boucher. Hop! Là, 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 les monstres ne pourront pas passer. Attendez, mais. Peut-être que si on fait. Hop, voilà, on est 100% noir, hein. Donc dans ce cas-là, on va mettre notre voilà. Donc qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, c'est vrai. On va prendre du bois. Non, on va prendre la pierre. On va disposer la pierre comme ça. Vous voyez? Hop là, hop là. Voilà. Et là, on aura un fourneau. Donc ce bruit indique que c'est la nuit, que les monstres vont apparaître. Voilà. Hop. Tout à l'heure on va dire, plutôt, il y aura un autre bruit plus tard. Donc non, on va pas le mettre là, on va le mettre là. Alors, hop. Purée. Voilà. Là on fait comme ça. On va prendre du bois, on va séparer en deux. Là, et voilà, vous voyez comme ça brûle là. Ça va nous donner du charbon de bois. On va faire trois, comme ça. Hop là. Encore un. Ça va brûler, ça va brûler. Donc là, on a du charbon de bois. Voilà. Sachant que le charbon, au fur et à mesure, il y en aura beaucoup. Hein. Mais là, au début, on en a besoin pour des trucs. Alors, là, ça fait deux charbons. Et bientôt, on va retomber dans le noir pour gratter. Là, on est OK. Hein. Là, bien éclairé. Hop. Bientôt, on va retomber dans le noir. Ah, voilà. Donc, on va prendre. Pour faire une torche, c'est simple. Vous prenez des bâtons, vous posez comme ça, pas plus. Vous prenez le charbon, vous mettez juste dessus. Et ça donne des torches. Voilà. Alors, shift. Hop. Voilà. On va mettre là. Vous voyez, c'est facile. Désolé. Hein, pour cette voix horrible. On va éclairer ici. Purée, c'est bon. Désolé hein, pour la qualité. Je sais pas. Peut-être que pour la deuxième vidéo, je vais essayer de prendre caméra et filmer l'écran comme ça. Ou je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Peut-être que c'est mon logiciel qui est trop fort pour avec le jeu, donc. Donc là, vous voyez, on part dans notre atelier. Vous allez disposer les pierres, ça donne des dalles en pierre. Ça, on verra ça plus tard, beaucoup plus tard. Vous prenez. Oh ouais, je suis obligé. Purée, ça fait bizarre, vous voyez. Donc. Faut faire des bâtons. On va prendre ça. Et voilà. Faut dispatcher. Donc ça fait 4, 8, 20. Ok. On va laisser 20, on va garder une planche. Hop, on va faire deux pioches. Donc on va vous disposer deux fois. Même chose pour la pierre. Deux, hop, là ça fait une seule pioche. Là on va reprendre. Hop. Shift, hop, on a deux pioches. Alors on va mettre une pioche ici. Alors là je vais miner. Alors. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Il est conseillé de faire votre abri près de votre point de spawn original. C'est-à-dire quand vous êtes apparu. Moi c'était un petit peu éloigné quand même. Hein. Voilà. Bon, la vitesse change pas, mais par contre, pour l'image et tout, aïe 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 aïe. Mais bon, je suis un tout petit peu obligé. Hein. Donc, dans un instant, je vais vous montrer plusieurs choses aussi à faire. Faut savoir que je crois, hein, que je vous ai parlé d'armure. Non, je crois pas. Non.
Ben, faut savoir que pour faire une armure, on n'a pas le droit d'utiliser de la pierre. Il faut forcément il faut du fer minimum. Après, on peut. Oh, la terre, qu'est-ce que ça foulait? Ok. Donc là, vous voyez, je mine. Je veux trouver la ferraille. Bon, on va éclairer un peu tout ça. Hop, on va mettre une lampe torche ici. What the fuck? Ok. Ça sert à rien de mettre là. Hop, voilà. Ah, ça c'est du gravier. Vous voyez? Et le gravier, contrairement à du silex, c'est pour faire des flèches. Le gravier, regardez. Contrairement à ça qui reste en place, vous voyez là. Ah, purée. Vous voyez, ça reste en place. Il n'y a pas de gravité. Le gravier, contrairement à la terre, et etc. Et le sable aussi. Enfin, le gravier comme le sable, ils sont soumis à la gravité. Hop, vous voyez, il redescend. C'est pour ça qu'il faut pas, vous voyez, faire comme ça. Au cas où il y a du gravier qui tombe sur vous. Là, vous voyez, je viens de faire quelque chose qu'il fallait pas faire. J'aurais pu crever. Alors, pour le gravier, il est préférable d'utiliser une pelle pour miner. Le gravier, c'est pas. Donc, je pense que là, on va arrêter le gravier. Hein. Faut que je mette quelque part d'autre, je sais pas, moi. Purée, il n'y a rien, what? Ça, c'est un... Il n'y a pas un peu de charbon. What? Donc, il finit par trouver, non? J'espère. Bon, je vais arrêter, du coup. Ouais, je vais arrêter un petit coup. On va éclairer. Alors, quelque chose à savoir sur les monstres. Les monstres peuvent apparaître dans le noir. Enfin, pas comme ça, là, ils ont pas d'entrée, il faut qu'ils rentrent quand même. Par exemple, si vous allez miner au fond d'une grotte, par exemple, il peut avoir des monstres même la journée. Les monstres, ils brûlent quand c'est la journée. C'est pour ça qu'ils sortent la nuit. Oh là, le hashtag logique. Alors... J'avais dit, par contre là, j'avais fait quelque chose, je sais pas quel, s'il fait jour ou pas. On va faire ça, oh putain, il fait pas jour, hop, voilà. Olé, bon. On va agrandir ça, parce que c'est petit, tout petit, un peu comme... Je ne dirai rien, parce que là, je suis pas en vidéo comique. Un peu comme... Oh purée, j'aime pas faire le trou. Mais c'est lent, sérieux. Alors, oui, donc, oui, je suis sur un serveur Ascensia. Donc, non, pas, c'est pas le vrai serveur, pas du tout. Sinon, il faut partir sur le sur Minecraft officiel. Vous tapez Minecraft et vous achetez Minecraft. Purée, je fais tout dans le désordre. Ce matin, ben, ce matin. Oh my gosh! Désolé, je suis fatigué, je suis tourné ma première vidéo et j'avais dit que j'allais faire une vidéo plus tôt ce matin. N'importe quoi. Oui, donc tout à l'heure je vous avais dit que j'ai perdu mon compte. Oui, c'est vrai. Alors, purée, j'ai mal fait de miner comme ça. Alors, normalement, vous voyez, on creuse en même temps qu'on mine. Donc, ben, je vais commencer à faire ça. En fait, vous voyez là, là on fait ça. Des escaliers, faut pas que ce soit trop déséquilibré, sinon vous pourriez pas remonter. Il faut au minimum un bloc. Faut un bloc. Oh my gosh, vous voyez pourquoi ça sert? Ah, ah non, du gravier, c'est pas du charbon. Alors, on va éclairer un peu ça. C'est pas possible, ça. Hein. Y a vraiment pas de. Vraiment pas de charbon. Bon, on va faire un peu de hop, voilà. J'en ai marre. Voilà, c'est lent. Là, je remonte. C'est lent. Donc, on peut faire quelque chose d'autre aussi. On peut faire. Alors, attendez, je vais faire des planches. Attention. Non, tout. Voilà. Vous voyez la quantité de planches qu'on gagne quand même, hein, avec quelques. Avec 18 bois. Et le bois, ça ne servira pas. À part faire brûler
des trucs, ça ne sert pas grand chose. C'est principalement les planches. Donc, ah ouais, je vais aussi faire. Ok, mon barre de fin est bonne. Hein. On va faire un coffre. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. pas tout de suite. On va mettre ça comme ça. On va mettre du charbon. On fait cuire. Hop, voilà. Donc là, c'est une source d'alimentation. Hein, what the fuck? On fait une porte, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour faire des entrées et des sorties. Alors, on va prendre la pierre. Non, on va prendre le gravier. Tiens. Si j'ai le gravier, ce sera mieux. Alors, on va reboucher ce trou aussi. Hop, hop, on peut pas. Faut ici. Ok. What the fuck? Sincèrement, what the fuck? Wesh, ben on peut faire ça aussi, hein. C'est pas gênant. Donc, que. Double papa. Hop là. Ok. Ok, maintenant on va utiliser la pierre. Pierre. Hop là. Hop là, purée c'est long. Ah ouais, ça aussi on va remplacer la terre, pas de la pierre. Ce sera mieux. Oh ouais, putain. Faire un petit abri comme ça, tranquille. Hop là. Donc je suis coincé. Simple. Vous prenez des planches. Vous faites comme ça. Et vous refaites comme ça. Donc vous faites la forme d'une porte. Et voilà, ça vous donne une porte. Alors, une porte en bois. On peut faire des portes en fer. Si, bon, ça, on verra ça par la suite. Je pars un peu trop vite et après je reviens dessus. Donc, regardez, vous posez comme ça. Et voilà, talasso. Vous avez une porte. Super. What the fuck. Voilà. Les monstres ne peuvent pas casser votre porte. Hein. Pas les creepers. Voilà, bon, c'est bon, on va un petit peu dératiser tout ça. Purée, alors je vais dans des conditions comme ça se passe. Hein. Hop là, hop là. Là, il y a des. Vous voyez, ça c'est de la canne. Parce que je vis là. C'est de la canne. C'est des cannes à sucre et au fur et à mesure on va en parenthèse lever on va planter pour donner du sucre et c'est resté. Enfin on verra ça par la suite, c'est encore loin. Je peux vous dire que c'est encore loin. Alors maintenant on va faire aussi un petit truc. Who is my. Ok, il est là-bas. Vous voyez, ça c'est mon. Voilà. Donc c'est à côté de cette montagne et en fait on va faire quelque chose. Ce qu'on va faire, on va bon, par contre ce sera chaud, hein, je vous dis, si je meurs pas ce sera chaud, je pourrais pas mourir. Surtout avec cette lenteur. What the fuck? Je saute. Sans... Voilà. Oh, c'est un... Vous sautez, vous faites ça. Ce que je vais faire, en fait, c'est. C'est pour me repérer si j'ai. Au cas où que je meurs. Comme ça, je sais où je... d'où je viens. Hop là. Tiens, je fais. Il y a plusieurs façons pour faire ça. Par contre, il faudrait qu'on fasse un lit. Comme ça, je peux pas mourir directement. Parce que si je meurs, je vais perdre tout ça. Je prends un faux. C'est chaud. Bon, ok, ça c'est comme ça pour le moment. On est compromis.
Vas-y, premier stade. Ok, allez. Juste pour me repérer légèrement. Hop, fini. Ah, non. Ok. Vous voyez, là, normalement, ça doit être beaucoup plus grand. C'est déjà pas mal. Alors, on va prendre des torches aussi. On va partir vers là-bas. Alors, purée, c'est lent. Désolé, les gens. Hein. C'est vraiment lent. Par contre, on va pas se repérer avec des torches comme ça. Hein. Alors, on va faire ça aussi. Hop. It's gonna give it to you. Voilà, bon. On pose quelques torches. Ce qu'on va faire, ce que... Voilà. Attendez, je regarde... Ça fait déjà combien de temps que je fais des vidéos, enfin, je tourne cette vidéo là. Parce qu'il faut pas que... Faut pas que ça dépasse ça. Bon, les gens, je répète, hein, désolé si déjà pour la qualité et pour tous cette hésitation. C'est ma première vidéo, je suis un peu stressé, faut le dire. Bon, voyez là, je suis parti là. Où et je suis, je sais pas. Déjà, j'ai pris comme repère une vache. Les vaches. Voilà, vous voyez là, je sais pas où je suis parti. En fait, j'ai perdu mon truc, c'est pour vous montrer que mes points de repère sont vraiment inefficaces en fait. Vous voyez, en fait, ça doit être... Bon, voilà. Vous voyez ça, la tour, ça doit être hyper grand comme ça. Ou ça, peu importe où je suis, je pourrais. Attendez, on va tuer quelques moutons. Désolé pour. Désolé si vous n'aimez pas, vous aimez les animaux. Purée, c'est long pour tuer ce animal-là. Ah ouais, je vais faire une épée en pierre, tiens, pour pouvoir tuer plus facilement. En fait, je fais ça pour avoir de la laine. La laine qui va me permettre de faire un lit avec du bois. Du bois et la laine, ça va faire un lit. Il me faut 3 blocs de laine. Enfin, 3 têtes de laine. Là, j'en ai qu'une seule. Pour vous dire. Alors, je sais pas moi. Ah voilà, encore 2 moutons. Il y a des moutons gris, des moutons noirs et des moutons blancs. Hein. Au fur et à mesure, on va aussi élever. Les accoupler, etc. Tu seras rapidement. Hop, hop, désolé. Non, mais je te donne des fleurs. Oh. Va lever des poules, des moutons, des vaches. Oh, faut savoir que pour avoir du cuivre, faut tuer des vaches aussi. Oui. Pour faire des armures en cuir, par exemple. Ah, de la lave. Voilà. Alors, les gens, si on prend de l'eau et on met sur la lave, ça nous donne une matière. La matière la plus dure du jeu. Donc, plus que le diamant, hein. Ça, on verra ça par la suite quand j'aurai créé des seaux d'eau, etc. Par contre, je vous conseille pas de tomber dans la lave, hein, c'est juste un conseil. Puis, je pars trop loin, je suis pas un mouton là. Hein. Bon, laisse tomber. J'ai beau avoir fait. Pourquoi j'ai jamais vu des trucs en éruption comme ça? Voilà, il a réussi. Érection. Éruption, hein, n'est-ce pas? On est petit pervers. Hein. Donc, d'où je viens? Là-bas, je crois, un truc du genre. Regardez ce cochon qui vole. What the fuck? Voilà. Vous voyez, je me serais bien plus vite repéré si c'était pas aussi lent. Purée, attendez. Est-ce que j'ai encore le temps? Ouais, je crois que j'ai encore le temps pour tuer des moutons. Il n'y a pas... Attends, on va prendre la pioche pour que ce soit plus rapide. Qu'il est moins mal. Regardez, vous voyez le truc noir là-bas? Ben, c'est du charbon. Voilà, tout simplement. Et le charbon, on le prend direct. Hein. Vous faites comme ça, il devient directement du charbon. Hein. Il n'y a pas de cuisson à faire. Du cuisson pour du charbon. Vous voyez? C'est pas logique. Les gens... Purée. Est-ce que j'ai pris toute la laine? J'ai une seule laine. Que une seule laine. Oh, je viens de tuer du mouton. Ah ouais, on n'a pas toujours. Ouais, on va tuer ce mouton là. Hop là. Voilà. De la laine. Hop. Ça fait 2 laines. Hein. 2 laines, ok. Une seule laine. Il me manque une seule laine. Purée, est-ce que j'ai le temps? Déjà, faudrait trouver un mouton.
Ah, voilà. Super. Super. Mayo. Mayo Maker. Tout de suite, purée, ça va vraiment faire nuit. Pourquoi je déteste les crues pures? Ce sont les pires. Tiens, c'est un mot. Hop. Vous voyez? On va boucher ces trous. Ces petits trous comme ça. Hop, si. Voilà, c'est mieux. Hein. Ce qui change en dedans, il faudra remonter, c'est tant que le jeu est lent là. Donc, les gens, je vais vous montrer un code d'Otcraft. Hein. On n'est pas. Je suis pas radin. Hein. C'est quoi le. Ah, hop, il est chi. Heureusement qu'il regardait pas en haut. Voilà, bon. Je vais vous montrer d'Otcraft. Prenez des bâtons, comme ça. Vous faites ça. Vous mettez ce bâton. Vous prenez de la pierre. Normalement, c'est mieux avec du fer, quelque chose comme ça. Vous mettez... Ah, voilà la laine. Purée. C'est vrai, c'est la laine grise. Oh, j'ai oublié. Pas ce hop. Un comme ça. Et ça vous donne une épée en pierre. Soupe. Ça vous donne une épée en pierre. Tout simplement. Bon, ça va me servir. Hein. Ça, pas pour le moment, mais plus tard, oui. Maintenant, pour faire une pelle, faites ça, c'est presque le même principe, sauf que vous remplacez une pierre par un bâton. Donc, hop là, et voilà, vous avez une pelle. Donc, les gens, je vais vous montrer comment faire un lit. Vous prenez des planches comme ça, faites comme ça, ça donne ça. Hop là, vous prenez ça. Et vous faites ça comme ça. Ça vous donne un putain de lit. Voilà. Désolé pour con. Voilà, un petit lit en un kilo comme ça. Ah putain. Vous avez votre lit. Et maintenant, votre point de spawn sera ce lit-là. Voilà. Nikoff. On va protéger le lit. Parce que si les monstres réussissent à détruire le lit, c'est fini, hein. Purée, c'est quoi ces trucs en plus là? Bon. Alors, hop aussi. Ok, d'accord. Hop là. Hop Jean-Michel. Votre onglet de Jean-Michel H. Voilà, déjà on est comme ça, on est pas mal là. On va faire une porte, tiens. Alors, vous faites comme vous voulez votre protection. Hein. Moi avant, je mettais des lampes torches, quoi. Pas que les monstres viennent, mais pour le moment on va faire ça. Donc je sais pas si c'est dans un bon ordre ce que j'ai fait, hein. Parce que normalement on fait pas le lit aussitôt, hein. Tout ça, normalement faut miner d'abord, faire beaucoup de choses. Désolé, mais moi c'est ma façon de penser. Pour moi d'abord faut pas que vous perdiez, faut que vous avez de bonnes bases. Et ensuite vous allez bien miner pour avoir pour améliorer votre base. Et ensuite vous allez faire... des trucs plus avancés. Alors donc trêve de bavardage, une porte, c'est vrai. J'ai plus de planche ou what? Ok, c'est bon, j'ai encore de l'âge, je manque de planche. Donc même chose, hein. Hop. Une petite porte, comme ça. Voilà. Vous êtes en kilo. Hop. Le monstre, là, votre lit est bien protégé. Vous l'avez bien protégé, sa mère. Désolé, encore une fois. Hein. Je n'ai pas abusé des DLC comme ça, mais... voilà, quoi. Donc, on va faire des torches, tiens. Oh, purée, on a plus de charbon. C'est vrai. Bon, on va faire oh, voilà, des côtelettes. Ce sera notre source de l'alimentation. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, du... Ah ouais, faut du bois, ça. On peut pas brûler comme ça, des trucs comme ça, wesh. Ouais.
Purée, j'ai oublié. Putain, ça fait rien du tout. Oh ben, on a plus de temps. Désolé les gens, hein. J'avais pas pensé à cette évidence. J'avais complètement zappé ça. What the f... Oh, j'ai rien dit. Vous voyez, ça c'est de la laine gris clair. Là-bas, c'est de la laine blanche. Après, il y a aussi de la laine noire. C'était la laine que j'avais perdue tout à l'heure, hein. N'est-ce pas? Alors... Wesh, on va agrandir, on va mieux placer tout ça. Par exemple, bon, ça, voilà. Hop. 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 Ah là là. On va récupérer la lampe d'un instant, donc. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas pour ça. On va la récupérer, cette lampe. Voilà. Bon, on est large. Voilà, Chnikov. La lampe, on va la mettre à l'entrée comme ça. Voilà, les monstres ne vont pas rentrer ici. Ok. Puis il y a la tour bien lumineuse. Dehors. Hop. Voilà. Va. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer comment faire une hache pour mieux collecter le bois. J'avais oublié. Aïe, Maria. Crac, crac. N'est-ce pas? On va mieux placer nos natalettes. Non, et maintenant il sera bien protégé comme cela. Hop, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Hop, hop, et voilà, comme ça. C'est tranquillou. On est tranquillou. Hop, voilà. Bon, on a un bon abri là, on a notre lit bien protégé. Ok, ok, ok. Donc, voilà. C'est lent. J'aime pas, j'ai joué pas mal de temps à Minecraft et du coup ça fait bizarre de jouer comme ça. Donc on est pas mal là les gens. Alors on va juste détruire ça. Je sais pas qu'est-ce que ça donne si on détruit ça. Ok, c'est bon. Parce que parfois, vu que c'est en pente, c'est... Ça, hein. Donc voilà, vous voyez un peu l'abri. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire aussi joli. Enfin, joli. Parce que pareil, c'est moche là, mais vous voyez ce que je veux dire. Si grand, c'est un peu grand quand même pour un début. Abri. Wesh. Donc, je vous avais dit donc quelques crafts avant cette fin de vidéo. Hein. Comment faire une hache? En fait, vous faites comme une pioche. Déjà vous utilisez, enfin, vous faites, voilà, vous voyez, là c'est un début, ça c'est, on va utiliser ça plus tard pour l'agriculture. Voilà, sauf que vous posez ici et ça donne une hache qui va collecter beaucoup plus vite les atouts. Ok, alors maintenant nous allons faire un coffre les gens, pour que vous voyez à peu près. En fait, je vais vous prendre ça. Faites un petit carré comme ça. Oh, what the fuck. Hop, lâche, hop, lâche, hop, lâche, hop, lâche, hop, lâche. Et voilà, ça vous donne un coffre. Moi, je fais un petit pour le moment. Pour faire un grand, il suffit de faire deux coffres comme ça. Et en fait, et vous mettez les deux côte à côte. Je vous donne un exemple. On va poser les coffres. Ah, voilà. On va poser là, tiens. À côté du lit. Tiens. Alors, les coffres. Hop, voilà, hop, hop, hop. En fait, vous reposez l'autre coffre ici, ça donne un grand coffre, un grand inventaire. Là, vous pouvez poser vos trucs. Donc, c'est quand vous êtes un peu encombré. Donc, déjà, je vais poser ça. Je vais mettre la pierre aussi, on pourrait mettre... Attends, là, on va garder...
Regardez cette pierre. On va déposer cette planche. Cette planche. Cette est planchée. Garde nous dit. On va pas s'en servir alors. Pour le moment. Jusqu'à la prochaine vidéo. Où je reprendrai tout. Hein. Là vu que c'est la première vidéo. Hop, la laine aussi. Vous voyez, je pose tout. Hein. Je vais poser tout. Je vais. Hop. Non, on va pas poser tout parce que si il faut que je ressorte tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour la prochaine vidéo, ce sera chiant. Donc, ah oui, et les pioches, n'hésitez pas à en faire. Hein. À en faire pas mal parce que c'est le truc. L'outil principal. Sans pioche, vous avez rien d'autre. D'ailleurs, sans votre manette aussi. Parce que sans la pioche, vous pourrez pas collecter ça, etc. etc. Donc, voilà. Donc, vous prenez par exemple pour vous nourrir. Vous voyez là ma barre, elle est plutôt. Elle est déjà baissée un peu. Vous prenez ça, et en fait, vous faites clic droit, continue. Donc, vous laissez clic droit. Et voilà. Et voilà, vous voyez ma barre de vie a augmenté. Seulement avec une seule côtelette. Donc, c'est vraiment une bonne source d'alimentation. Voilà. Donc, je pense qu'on va terminer. Hein. Attendez, je regarde juste quelque chose. Ah, il fait jour. Avec du brouillard. Vous voyez, il y a plusieurs temps de Minecraft. La plupart du temps, il fait beau. Avec un beau ciel. Mais parfois, il fait plutôt nuit. Enfin, il fait nuit. Ouais, ça, c'est normal. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie, etc. etc. Il y a de la neige. Donc, je vous disais donc, ben, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Donc à plus les gens, et on va se retrouver la prochaine fois.